Alors Trust, c'est un texte d'un auteur contemporain allemand, Falk Richter, qui l'a écrit en 2009 après la crise des subprimes. Et le terme Trust peut signifier deux choses. Ça peut désigner ces multinationales qui ont le monopole sur un secteur d'activité. Par exemple, c'est eux qui déterminent le prix du carburant, nos habitudes de consommation, etc. Et puis, ça peut aussi se traduire par faire confiance. Et l'auteur s'amuse à tricoter avec ces deux notions tout au long de la pièce. Ce qui est intéressant, c'est de voir évoluer cinq personnages, cinq tranches de vie. C'est une dramaturgie qui est relativement fragmentée, un peu des pièces de puzzle comme ça qui vont s'imbriquer jusqu'à la fin de la pièce. Et puis c'est de les voir évoluer dans ce système-là, dans un système capitaliste qui nous pousse constamment à vouloir plus, à consommer plus, à se vendre plus. Comment le système dans lequel on vit impacte, conditionne nos rapports humains. Donc on va suivre ces personnages qui vont tenter de se parler, de s'aimer, de se séparer, de se faire confiance. Et ils vont quelque part chercher cette quête de l'être au-delà de l'avoir. Parce que pour moi, le théâtre, ça doit aussi être le reflet du monde. Donc le point de vue change en fonction de chacun. C'est pas du tout pour poser quelque chose de moralisateur, mais plutôt pour proposer une réflexion sur le système dans lequel on vit. J'ai travaillé à partir du journal de création de Falk Richter. J'ai eu la chance de rencontrer la traductrice qui m'a expliqué vraiment ses intentions d'écriture. Et Richter est quelqu'un qui travaille énormément au plateau et qui écrit pour ses comédiens au plateau. Et donc c'était très intéressant pour moi de voir la genèse du projet. C'est comme si je rentrais par l'antichambre du texte. Et il a quelque chose de très scandé, de très brut sur la page, de très incisif. Il n'y a pas de distribution. C'est une matière comme ça, textuelle, qui se suit. Des fois des silences, des fois des pages blanches, des fois pas de ponctuation, et puis aucune didascalie. Donc j'ai pu, grâce à ce journal de création, voir vraiment les lignes directrices que lui, il a voulu tracer en créant ce projet-là. Donc pour moi, c'était très intéressant de le réinsuffler dans la création, dans l'adaptation du texte aussi. Mais abandonnons maintenant ce scénario. Nous n'allons pas non plus lire tous ensemble l'effondrement des systèmes de Hatsushi Lingunvertson. Cela déborderait du cadre. Et peut-être que nous ne comprendrons rien à ce livre, et même si nous le comprenions, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces connaissances? À quoi sert tout ce savoir? À quoi? À quoi? Nous aurions peur que Hatsushi ne soit arrivé à la conclusion que le système tel que nous le vivons aujourd'hui s'effondre en effet au plus tard dans 5 ans. Et que faire alors de cette conscience? Convenir d'un nouveau système? Déjà, de par ma formation, j'ai une formation pluridisciplinaire, j'ai eu envie de mettre au plateau tous ces outils-là, que sont le corps, la voix, le numérique, le son, la musique, enfin voilà, et de voir en fait comment, avec plusieurs médias, plusieurs moyens, on peut raconter cette même histoire et comment on peut tisser aussi au plateau un message fort avec plusieurs portes d'entrée. La ligne que j'ai insufflée par rapport à la dramaturgie, qui est aussi le propre de Richter, c'est un gros travail aussi sur le corps. Donc il y a une partie qui est chorégraphiée, il y a une partie aussi vocale. Et tous ces moyens-là, en fait, viennent au service du texte, puis de qu'est-ce que deviennent ces corps au plateau à travers l'effondrement économique du système. Avec le scénographe, on a travaillé sur justement le système dans lequel on vit, comment le représenter. Donc on est parti sur des miroirs sans teint, comme un peu la surface d'un building, de voir comment en fait ça nous reflète une certaine image de nous-mêmes et comment par moments on joue sur la transparence et qu'est-ce qu'on voit derrière le système. On navigue entre deux points de vue différents, entre ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, ce qui se reflète de nous-mêmes dans notre monde de l'image d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, et puis cette chose comme ça qui se voit en filigrane, presque derrière, en silhouette, en fonction de comment c'est éclairé. L'équipe de Trust est composée de 10 artistes et techniciens, 5 comédiens au plateau, et puis derrière, il y a un créateur son, créateur lumière, créateur numérique avec ses projections vidéo, puis le scénographe et moi-même qui travaillons comme ça à articuler autour un squelette technique très précis, un peu comme une partition qui est millimétrée entre tous ces aspects-là. On va prochainement attaquer la 4e résidence de répétition, et donc là, la création a lieu en février 2019.